Bien, merci infiniment, chère Anne, merci infiniment, chère Aurélie. Nous allons très très vite maintenant passer à la dernière communication de cet après-midi avec la communication proposée par le Art Loss Register et qui nous présentera la base de données d'objets volés et spoliés pour opération de due diligence. C'est une présentation à la fois générale et également la présentation d'un cas pratique. Et pour ce faire, eh bien, il s'agit de Madame Amélie Ebbinghaus, qui nous fait le plaisir de venir de Londres, ainsi que Monsieur Paul Exbraya, que je remercie vraiment de faire cet effort, parce que je dois vous avouer que j'avais vraiment très très peur, en raison de la crise sanitaire, de ne pas vous avoir en présentiel. Et c'est un bonheur de vous avoir. Amélie, vous avez dans un premier temps travaillé en tant qu'avocate en contentieux de la propriété intellectuelle. Vous êtes diplômée de droit et d'histoire de l'art au Royaume-Uni et vous êtes aujourd'hui directrice en charge du département des recherches de provenance au Art Loss Register, que nous connaissons tous, à Londres. Paul Exbraya, vous avez travaillé à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels à l'OCBC. On s'était rencontrés il y a quelque temps à Nanterre. Vous y avez travaillé de 2009 à 2015 en tant qu'enquêteur et officier de police judiciaire. Et puis en 2018, vous avez souhaité rejoindre le Art Loss Register à Londres, où vous êtes en charge maintenant du marché français et francophone du secteur France, Belgique, Suisse et Monaco. Et vous travaillez bien sûr en étroite collaboration avec Amélie. Je vous laisse très très vite la parole. Merci beaucoup. Bien, merci Emmanuel pour ces propos et cette invitation. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui, en effet. Je vais donc, comme vous l'avez dit, vous proposer une présentation générale du Art Loss Register. Et Amélie va ensuite présenter un cas pratique, en l'occurrence un cas concernant un tableau spolié pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été récemment localisé par le Art Loss. Amélie est chercheuse en provenance et précisera quel type de recherche de provenance le Art Loss peut effectivement conduire. Alors à l'introduction, cependant, vous verrez qu'en fait le rôle principal du Art Loss n'est pas de faire de la recherche de provenance. En effet, le cœur de son activité est d'aider le marché de l'art dans l'exercice de ses due diligence. Dans le cadre du marché de l'art, les due diligence se concentrent essentiellement sur l'authenticité d'une œuvre, sa condition, son estimation, sa provenance, et enfin sur le fait de s'assurer qu'un objet n'est pas volé ou spolié en consultant des bases dédiées. Et c'est précisément sur ce dernier point que le Art Loss opère, en compilant des objets volés ou spoliés dans une base que le marché peut facilement interroger. Alors, quelques chiffres rapidement. Le Art Loss est à ce jour environ 700 000 enregistrements d'objets disparus et autour de 400 000 demandes annuelles de consultation de sa base. 400 000 requêtes chaque année, c'est un chiffre très élevé, c'est vrai, mais c'est surtout un chiffre intéressant en ce qu'il représente autant d'opportunités de repérer un objet disparu. Dans la quasi-totalité des cas, en effet, lorsqu'une consultation à la base du Art Loss match un objet qui y est enregistré, eh bien, la personne ayant demandé la consultation est en mesure d'indiquer où se trouve l'objet et qui en est le détenteur actuel. Or, retrouver un objet disparu, c'est bien là la finalité recherchée. Ainsi donc, les bases de données des objets disparus et la base du Art Loss en particulier sont des outils de nature à favoriser la découverte d'objets recherchés. Et c'est pourquoi il est nécessaire d'insister sur l'importance de consulter ces bases, en particulier pour les acteurs du marché qui ont ici un rôle majeur à jouer. Alors la consultation des bases de données, pourquoi est-ce donc si important? Nous allons tenter de vous l'expliquer. Le nombre d'objets d'art volés ou spoliés est difficile à évaluer précisément, mais s'élève sans aucun doute à plusieurs centaines de milliers de pièces et à plusieurs millions en comptant les livres et manuscrits, comme vous l'avez dit, madame, tout à l'heure. C'est une exigence de rechercher ces objets, en particulier ceux qui ont été spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale dans les conditions que l'on sait, ou ceux qui appartenaient à des collections publiques et dont la disparition pénalise l'intérêt général. Les bases de données sont des outils simples et efficaces qui vont aider à ces recherches. Alors attention, c'est toutefois à la condition qu'elles soient activement interrogées, et c'est bien là que les acteurs du marché ont un rôle clé à jouer. En effet, la mise en vente d'un objet par son propriétaire est un moment rare où l'objet réapparaît, un moment où le marchand peut conduire les diligences requises avant que l'objet ne regagne une autre collection. Ne serait-ce que sur le marché français, ce sont plusieurs centaines de milliers d'œuvres qui changent de main chaque année. Plus nombreuses seront les consultations des bases, plus nombreuses les découvertes et plus nombreuses les restitutions. En France, les acteurs du marché ont d'ailleurs pour obligation déontologique de consulter les bases des objets disparus.
et c'est également leur responsabilité professionnelle d'exercer ces diligences. Mais au-delà, ils ont également un intérêt stratégique à effectuer ces recherches. En effet, en se garantissant au maximum de participer à des transactions autour d'objets volés ou spoliés, eh bien, ils se protègent de revendications et recours avec les coûts réputationnels et financiers qui peuvent en résulter. De plus, en jouant la carte de la transparence, ils rehaussent les standards de leur activité professionnelle. Alors, pour effectuer ces diligences, le marché a un accès libre aux bases que l'on appelle ouvertes, par opposition aux bases fermées, et il est intéressant d'en préciser les différences. Les bases dites ouvertes sont gratuites et libres d'accès. La plus connue est sans doute la base Interpol, mais il en existe bien d'autres, en France comme à l'étranger. Dans cette catégorie des bases ouvertes apparaissent également les nombreux registres de biens spoliés entre 1933 et 1945. Alors, ces bases ouvertes favorisent une large diffusion de l'information, ce qui est essentiel. Elles participent à la lutte contre le trafic des biens culturels et sont utiles dans le cadre des formations ou des recherches de provenance, comme vous l'avez dit précédemment. Néanmoins, cet accès libre et sans contrôle ne permet pas le suivi des consultations. Ainsi, celui qui interroge une base et s'aperçoit qu'il détient un objet volé ou spolié peut préférer s'en débarrasser sans que personne ne se rende compte de la recherche qui vient d'être effectuée. De plus, il existe aujourd'hui de très nombreuses bases disponibles. Les interroger toutes est complexe et peut se révéler chronophage au point des fois de décourager les initiatives de consultation. Voyons les bases fermées maintenant. Eh bien, ce sont essentiellement les bases policières, telles la base Tréma en France, gérée par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Le plus souvent, elles ne sont pas directement accessibles au public ou au marché. Elles sont riches en informations et sont un support efficace aux investigations, en particulier en termes de coopération policière internationale. Mais d'accès limité, elles ne sont finalement qu'assez peu consultées, notamment au regard du nombre de transactions observées sur le marché. Eh bien, la base du Hard Loss dans tout ça, que fait-elle? Eh bien, elle propose un système mixte qui se situe entre ces deux modèles, ouvert-fermé. Il s'agit d'un système mixte, puisque si la base est ouverte à tous, elle n'est que d'accès indirect, c'est-à-dire uniquement par l'intermédiaire des membres du Hard Loss. De plus, son accès est payant. En contrepartie de cet accès payant, le Hard Loss offre des services spécialisés. Aux victimes de vol et de spoliation, l'enregistrement des objets disparus et leur recherche active sur le marché. Aux acteurs du marché, la prise en charge des diligences en amont des transactions. Le Hard Loss, c'est donc une société de services, c'est une entreprise privée. Créée en 1990 par un groupe d'assurance qui a voulu centraliser en une base unique des objets d'art volés qu'ils avaient indemnisés. Dans le même temps, ces assureurs ont su convaincre les grandes maisons de vente aux enchères d'interroger cette base en amont des transactions afin d'augmenter les chances de découverte des objets indemnisés. Le Hard Loss est indépendant de ses assureurs depuis 1995 environ, et c'est aujourd'hui 50 salariés à temps plein pour gérer ces centaines de milliers d'enregistrements et de consultations annuelles. Alors, le statut d'entreprise privée ayant vocation à générer un chiffre d'affaires permet au Hard Loss d'assurer ses financements, en théorie au moins, et donc sa pérennité. Ce statut d'entreprise privée est également une garantie d'indépendance à toute approche nationaliste de la protection des biens culturels. Je pensais qu'il était intéressant de faire un slide sur le modèle économique du Hard Loss. La quasi-totalité des revenus du Hard Loss proviennent des demandes de consultation de sa base. Je reviendrai un petit peu plus tard sur le coût que représentent ces consultations. Une partie des revenus peut également venir de commissions lorsqu'un objet est retrouvé. Ces commissions ne s'appliquent qu'à la double condition 1. Que le Hard Loss ait été à l'origine de la découverte et 2. Que l'objet soit in fine effectivement restitué. La commission diffère selon que le requérant a mandaté le Hard Loss pour la restitution ou s'il a entrepris lui-même avec ses avocats les démarches ayant conduit à cette restitution. A noter également que le Hard Loss traite en réalité de nombreux dossiers liés aux spoliations nazies ou aux pillages archéologiques pro bono et sans contrepartie financière donc. Par ailleurs, il convient de préciser que l'intégralité des services du Hard Loss sont sans frais pour les services de police ou les institutions gouvernementales. Les missions du Hard Loss sont triples. Enregistrer les objets disparus, chercher dans sa base à la demande, le plus souvent du marché, et aider et faciliter des restitutions. Enregistrer donc. Le Hard Loss enregistre des œuvres volées, spoliées ou encore fait l'objet de fouilles et exportations illicites. La base contient également des faux qui ne sont cependant intégrés qu'à la condition d'être portés à notre connaissance par l'autorité qualifiée qui représente l'artiste. Des objets au centre de conflits de propriété peuvent aussi être enregistrés.
L'une des parties peut donc être informée si l'autre partie avec laquelle elle est en désaccord met l'objet en vente. Enfin, des collectionneurs ou des institutions peuvent enregistrer des œuvres qu'ils ont prêtées afin de se garantir de toute mise sur le marché sans leur accord. C'est ce que l'on appelle les enregistrements positifs. La base du hard loss, ce sont donc des données propres qui ont été spécifiquement communiquées au hard loss, mais c'est aussi l'intégration de données externes, c'est-à-dire des objets dont la disparition a été portée à la connaissance du public, sans avoir été toutefois transmise au hard loss en parallèle. C'est par exemple un vol de tableau diffusé dans la Gazette de Rouault, mais non reporté au hard loss. Eh bien, nous récupérons cette information publique et l'intégrons dans la base. Mais interroger la base du hard loss est aussi interroger des bases externes que nous allons consulter dans le cadre des recherches. Certaines de ces bases externes sont interrogées systématiquement, comme la base Interpol ou le répertoire des biens spoliés. J'ai mis quelques sur le slide, là, vous voyez, c'est les Carabinieri, le FBI, Lost Arts, le ministère de la Culture, bien évidemment, l'Outit Art. Ce type de bases sont consultées systématiquement à chaque fois qu'on reçoit une demande. D'autres, comme les bases des biens spoliés, Jeu de Paume, ERR, l'Outit Art, seront consultées en fonction des types de demandes reçues. Le hard loss maintient également une liste rouge des provenances, ce qui permet de recommander des recherches supplémentaires, quand bien même l'objet n'apparaîtrait dans aucune base. Je prends un exemple. Vous avez une œuvre qui semble être enregistrée nulle part, mais dont la dernière provenance connue est Alphonse Kahn, Saint-Germain-en-Laye, 1941. Eh bien, la collection Kahn est réputée spoliée, bien sûr. Ce nom est dans la liste rouge des provenances et le demandeur est ainsi alerté sur la nécessité de conduire des recherches plus approfondies. Abordons maintenant le volet des recherches dans la base en répondant notamment à ces deux questions, pour qui et à quel prix. La plus grande partie des 400 000 consultations annuelles est effectuée pour le compte des maisons de vente aux enchères. C'est à ce jour près de 140 maisons de vente dans le monde qui font contrôler leur vente au hard loss. Les contrôles se font sur la base des éléments mentionnés au catalogue de vente, le plus souvent lors de sa mise en ligne, généralement 2 ou 3 semaines avant la vente. La qualité des catalogues d'aujourd'hui, tant sur les visuels que sur les descriptifs, voire sur les provenances fournies, facilite grandement les recherches. Le hard loss facture 3 euros par objet contrôlé. Pour une maison de vente qui fait une quarantaine de vacations chaque année, cela représente en moyenne 1000 objets à contrôler et donc une facture annuelle de 3000 euros. Les grandes foires internationales comme la TEFAF, la BRAFA ou la Biennale à Paris font également contrôler par le hard loss les objets exposés par les marchands. Là encore, les tarifs sont identiques, 3 euros par objet confronté à la base. En parallèle, le hard loss est également destinataire de demandes ponctuelles par des marchands, des musées ou encore des chercheurs. Une fois les recherches effectuées, le demandeur se voit délivrer un certificat du hard loss register. Le coût est plus élevé, entre 40 et 80 euros, car les recherches sont plus approfondies que pour les contrôles routiniers des catalogues de vente. Il y a par exemple consultation d'un plus grand nombre de bases externes, comme évoqué précédemment, notamment les bases des biens spoliés. Il y a aussi étude de la provenance actuelle et antérieure, notamment sur la période 33-45, ou encore étude détaillée du revers de l'œuvre pour observation de toute présence, inscription ou étiquette qui peuvent aider aux recherches. Alors nous sommes aujourd'hui au Louvre, donc je souhaitais aborder brièvement le cas des musées. Alors bien sûr, en complément de leurs propres recherches, de nombreux musées sollicitent les certificats du hard loss en amont des acquisitions. Mais au-delà des acquisitions, nous recommandons aux musées de solliciter des certificats pour des œuvres qui vont être reçues en prêt, en particulier si ce prêt est accompagné d'une mesure d'immunité. Voilà, pour conclure cette brève présentation très générale, un mot des procédures entreprises lorsqu'un objet qui nous est soumis match avec un objet enregistré. Alors, il ne peut y avoir de procédure unique, évidemment, tant chaque cas est différent. Un match ne sera pas abordé sous le même angle, selon que l'objet a été volé il y a 2 mois, il y a 15 ans, ou bien s'il s'agit d'une spoliation. Il faut également distinguer si l'objet est un bien public ou un bien privé. De même, il convient d'évaluer quelles sont les règles de droit applicables au regard du pays de disparition et du pays de localisation. Cependant, dans la plupart des cas, le hard loss engage rapidement les démarches suivantes. La personne qui a fait la consultation est informée du match. Il lui est demandé de préciser la localisation de l'œuvre et de la garder en sécurité si cela est possible. La source de l'enregistrement est contactée et nous demandons la confirmation que l'œuvre est toujours recherchée. Les services de police du pays de disparition et du pays de découverte sont informés et les instructions reçues sont respectées. Une fois tous les éléments réunis, si une procédure de restitution peut être mise en œuvre, le hard loss peut assister les parties. Voilà, j'en ai terminé pour cette brève présentation. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Amélie pour la présentation d'un cas concret. Merci. Merci, Paul.
Et surtout, merci aux organisateurs de cette conférence au Louvre. Je suis honorée et reconnaissante d'en faire partie. Je veux tout d'abord m'excuser pour mon français. Je suis allemande et je vis à Londres et c'est une première pour moi, alors je vous prie d'être patiente avec moi. Vous voyez ici une demande de recherche d'une des maisons de vente aux enchères qui travaille régulièrement avec le ALR. C'était la maison Vanham en Allemagne. Et ce tableau faisait partie d'une collection importante que la maison de vente voulait vérifier le plus tôt possible, alors avant de le cataloguer et de le publier. Et vous voyez aussi que à ce stade, l'œuvre avait une provenance très limitée à partir des années 1980. Alors, pour nous, la première étape de recherche, c'est toujours une consultation de la base de données ALR. Et voilà, vous voyez maintenant à gauche un enregistrement d'une peinture de Max Liebermann spoliée et enregistrée auprès de l'ALR en 1999. Là encore, les informations sur la provenance étaient limitées, indiquant seulement que la famille de l'enregistreur avait perdu l'œuvre par une vente forcée à Bruxelles. Et alors, vous voyez, les deux œuvres sont assez similaires, mais comme vous le savez bien, deux œuvres de Max Liebermann, qui semblent visuellement très proches, ne sont pas nécessairement une seule et même œuvre. Il a souvent peint des versions très proches d'un même sujet. Alors, pour nous, il y avait deux étapes de recherche. Première étape, l'œuvre enregistrée est-elle identique à celle que nous recherchions? Deuxième étape, que pouvons-nous trouver d'autre sur les circonstances de la spoliation d'œuvres disparues? Depuis que l'œuvre avait enregistré en 1999, beaucoup de sources sont devenues disponibles, bien sûr. Alors, en ce qui concerne la question de l'identité de l'œuvre, l'enregistreur lui-même avait consulté le catalogue raisonné de Matthias Eberle sur les peintures de Max Liebermann et il y avait identifié ce qu'il pensait était l'œuvre manquante. La provenance dont Eberle correspondait à la provenance fournie par Vanham pour l'œuvre que nous recherchions. Bien sûr, ce n'est pas suffisant, mais plus important, il n'y avait pas d'autres versions aussi similaires dans le catalogue raisonné. On a bien inspecté le revers de l'œuvre, mais ça ne contenait pas de lien clair avec la perte. La perte n'était pas enregistrée sur des bases de données publiques comme Lostat, Looted Art, la base du jeu de paume. Et nous n'avons également pas trouvé une vente publique dans les années 30 ou 40 via le Getty Provenance Index ou l'Université de Heidelberg. Mais sur la base de toutes les recherches, il est devenu raisonnablement clair que l'œuvre que nous recherchions était effectivement identique à celle enregistré dans la base de données de ALR. Mais on avait peu d'informations sur les circonstances de la spoliation. Alors, on a essayé de contacter la personne qui avait enregistré l'œuvre auprès du ALR en 1999. Et on a dû découvrir que cette personne était décédée entre-temps et que les coordonnées n'était plus valable. Malheureusement, l'enregistrant avait aussi un nom de famille assez commun et il était donc extrêmement difficile de trouver des informations sur les descendants. Et c'est là que le réseau de chercheurs de provenance devient vital. Des collègues à Londres, en fait des collègues chez Christie's, nous ont aidés et nous ont recommandé plus tard de contacter l'association des réfugiés juifs pour nous aider dans nos recherches généalogiques. Et c'était avec leur aide qu'on a pu identifier les représentants des héritiers actuels. Nous en avons également appris davantage sur l'histoire de la famille. Le collectionneur de ce tableau, c'était Dagobert David, et
Lui, il était décédé emprisonné par les nazis en 1937 en Allemagne. Sa femme, Martha, s'est enfuie en Belgique et elle avait chargé la société Schenker, on la connaît assez bien, de transporter ses biens dans 20 tableaux. Seules 17 œuvres sont arrivées en Belgique dans ce tableau de Max Liebermann. Martha David fut forcée de vendre les tableaux en dessous de leur valeur pour assurer sa survie. Et en 1944, elle fut déportée au camp de Malines. Mais elle fait partie des rares survivants et put retourner à Bruxelles. Son fils Félix, qui avait déjà émigré en Angleterre avec ses frères et sœurs, la retrouva après la guerre et puis la famille était réunie en Angleterre. Et c'était très émouvant pour nous de apprendre toute cette histoire. Alors, la solution, dans un cas comme celui-ci où les héritiers sont représentés, le ALA met le représentant en contact avec le chercheur. Et alors, dans ce cas-là, la maison de vente Vanham jouait un rôle crucial comme intermédiaire. En assurant la liaison entre les représentants et les propriétaires actuels et en facilitant une solution juste et équitable dans l'esprit des principes de Washington. L'œuvre était alors vendue avec l'accord de la famille spoliée et les recettes de la vente étaient partagées. Et vous voyez ici, l'œuvre est aussi vendue avec une provenance beaucoup plus complet maintenant. Il convient de noter que le tableau a doublé son estimation lors de la vente. Pourquoi ? Bien sûr, il s'agit d'un tableau très bel, mais je pense que le fait qu'elle ait une provenance claire et certaine pour la période de 1933 à 1945 est en fait une histoire fascinante à raconter, a accru l'intérêt pour la peinture et par conséquent sa valeur. Un peu comme avec l'œuvre de Schiele qu'on a écoutée chez Sotheby's. Alors, pour nous, les leçons apprises, c'était que dans un cas comme ça, l'enregistrement et la recherche dans le registre de ALR peut être un outil assez simple pour commencer un procès de restitution. Mais plus important, le réseau dont nous disposons en tant que chercheurs de provenance peut être absolument vital, en particulier lorsque l'œuvre a été identifiée comme problématique, mais il y a des questions sur les victimes, les héritiers et les représentants. Alors, voilà une brève représentation de l'Art Loss Register et merci beaucoup pour votre attention.